Bonjour à toutes et à tous, c'est Clément l'aquariophile. Regardez, j'ai mis dans mon petit aquarium une nourriture. Alors, c'est la nourriture de mon écrevisse, donc des petits granulés là. J'en ai mis un pour voir et effectivement, elles sont intéressées. Alors, je ne sais pas ce que c'est. On dirait des minuscules crevettes. En fait, je les ai chopées en prenant de l'eau à la rivière. Et j'en ai trois en fait. Donc là, j'en ai deux qui mangent. J'en ai une troisième ici là qui nage. Alors je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est des... Ah, c'est pas des mini écrevisses, ça, c'est une espèce à part entière. Je vais faire en sorte que vous voyez bien. On dirait vraiment des... Je sais pas. Des minuscules crevettes. Ouais, je me renseigne pour savoir ce que c'est, mais voilà, je sais que j'en ai trois. Et l'autre, elle est là. Voilà, on la voit bien là. On la voit vraiment bien. Ah, elle nage. Donc voilà. En tout cas, il y a ça dans nos rivières. Et là, elles sont toutes contentes de manger la petite boule. Voilà. Et j'ai chopé aussi par inadvertance des bébés. Alors les bébés guppies sont là, vous voyez, grandissent. Bientôt, je pourrai les relâcher. J'ai mes trois bébés ici. Et alors, il me manque. Bah, j'ai deux bébés gambusies. Du coup, qui ont été chopés dans le seau quand j'ai pris de l'eau à la rivière. Alors, où sont-ils? Je les ai vus tout à l'heure. Deux petits. Et j'avais chopé aussi un espèce de mille-pattes aquatique, mais je ne l'ai pas retrouvé. Je l'avais mis ici. Ouais, non, là, je vois pas les gambusies. Je ne sais pas où ils se cachent. Ah, si, il y en a là. Voilà, il y a. Bon, de toute façon, quand il sera un petit peu plus grand, je l'introduirai là-bas. Et puis l'autre aussi, voilà. Parce que sinon, ils s'attaqueront aux guppies. Et alors ici, je voulais vous faire voir, j'ai un bébé xiphon. Malheureusement, je ne le trouve plus. Je crains qu'il ne soit mort. Ouais, parce que je ne le vois plus depuis quelque temps. À moins qu'il se cache par là dans les plantes, mais... Et sinon, bah, les deux rotangles sont toujours là. Alors, ils ont chacun eu un ver de terre aujourd'hui. L'autre jour, j'aurais donné des asticots. Là, ils se sont chacun régalés d'un bon petit ver de terre. Donc, voilà. Le grand, il aime bien se cacher là, lui. Alors que le plus petit, lui, il aime bien se mettre dans les plantes. Voilà.